Michel Ayari, bonjour. Bonjour. Donc, depuis le soulèvement de 2010-2011, il y a eu une multiplication donc, des mouvements sociaux en Tunisie. Je veux dire, ça a bougé dans beaucoup de régions, que ce soit le sud, etc., l'ouest, Kasserine, etc. Et le problème, c'est que tout le monde sait depuis le soulèvement, et avec les années qui ont suivi, avec la multiplication de ces mouvements sociaux, que finalement les causes de ce soulèvement sont toujours présentes. Les grandes causes économiques, on va dire, les causes structurelles sont toujours là. Et en fait, ça, elles n'ont pas été adressées. Il n'y a pas eu de changement du modèle de développement, il n'y a pas eu de changement radical. Le pays est toujours en fait dans le même mode de gestion économique. Nous, ce qu'on essaie de proposer en fait dans le rapport, c'est déjà essayer de faire une analyse vraiment objective d'où sont les blocages, qu'est-ce qui se passe, où on en est, comment fonctionne justement ce système économique, en dehors du fait de parler de corruption, de dénoncer, etc. C'est pas du tout une question de ça, parce que cette corruption, c'est plus large que ce qu'on entend par corruption en règle générale, qui est l'abus d'une position publique à des fins privées. C'est tout un système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'inclusivité économique, à partir du moment où il n'y a pas d'égalité des chances, d'accord, à partir du moment où on a une administration qui protège des oligopoles, des monopoles, des personnes qui sont rentrées dans les affaires au début des années 1970 avec les premières mesures de libéralisation, etc., de Edin Wila, ensuite dans les années 80 avec Mzali, ensuite avec Ben Ali, etc., et qui en fait ont tendance à se reproduire, disons, et à créer une élite du sérail, disons, une espèce de sérail comme ça, et à empêcher les autres de rentrer à l'intérieur, et qui utilisent l'administration à cette fin pour bloquer finalement les concurrents. Là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, dans l'esprit du citoyen, entre guillemets, ordinaire, quand il parle de corruption, il ne veut pas dire simplement des gens qui prennent de l'argent, des gens qui font ça. Il veut expliquer qu'en fait, la vie quotidienne en Tunisie, que ce soit pour un investisseur ou pour n'importe qui, un salarié, est très dure quand on est anonyme. Ça veut dire qu'il y a des réseaux clientélistes, des réseaux de solidarité, professionnels, familiaux, régionaux, etc., qui sont un peu partout dans le pays, et qu'en fait, lui, il en est exclu, dans un sens. C'est-à-dire qu'il peut être dans des réseaux à petite échelle, mais il n'est pas dans des réseaux à grande échelle qui, en fait, captent les ressources, qui, en fait, sont là, qui, en fait, fait que ces gens-là, par exemple, quand ils veulent, monter une entreprise, ça va prendre 24 heures, parce qu'il y a tout un réseau, et tout le monde se connaît, ils se connaissent dans l'administration, ils ont des entrées dans l'administration, tandis que lui, l'autre, celui qui est anonyme, il ne peut rien faire. Et pour lui, à travers la critique de la corruption, c'est finalement une manière métaphorique de dire que finalement, on n'est pas dans un régime, dans un système économique qui donne ses chances à tous. On est dans un système qui est divisé, où on a finalement le riche, qui est le symbole de la corruption. Parce que finalement, le seul qui n'est pas corrompu, c'est le pauvre. Vous voyez ? Et il y a l'idée morale ensuite derrière la corruption, le fait de décomposition, etc., qui est importante. Donc il y a tout un métadiscours derrière la critique de la corruption. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu, depuis la révolution, d'ouverture du système économique pour les Tunisiens. Je ne parle pas d'ouverture pour l'étranger, etc., comme préconise la Banque mondiale, je veux dire pour les Tunisiens. Je veux dire qu'il y a une administration qui joue le rôle de blocage et déblocage et de boulot d'étranglement en fait des projets. Quelqu'un qui veut monter un projet économique, c'est vraiment très 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 difficile s'il n'a pas les ressources, c'est-à-dire le temps, l'argent, les connaissances, etc. Et ce qui est grave, c'est que finalement, vous avez une division du pays quasiment en deux, en fait, entre ces personnes dont je parlais tout à l'heure qui ont les contacts, en fait, et ceux qui ne l'ont pas. Et le problème, c'est que cette division, elle se fait aussi sur des bases régionales. Et c'est ça qui est, à mon avis, nous, ce qui nous intéresse en termes de crisis group, en termes de prévention de conflits meurtriers, c'est que quand cette division, disons, devient identifiable, avec, que ça soit, je ne sais pas,
oui, identifiable en dehors de politiquement, mais pas par rapport à des origines régionales. Il y a des pays où c'est confessionnel, il y a des pays où c'est ethnique, etc. Et là, on se rend compte que c'est régional. Et quand c'est identifiable comme ça, avec des facteurs autres que des facteurs politiques, ça peut devenir dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un tabou en Tunisie depuis l'indépendance, etc. Le grand tabou, c'est qu'il y a des discriminations sociales et identitaires et régionales qui sont très fortes. C'est plus que le fait de dire qu'il y a des zones d'ombre et qu'il y a des régions qui sont sous-développées par rapport aux autres, ou qu'il y a des régions victimes, etc. C'est plus profond que ça, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont originaires de ces régions en interne, à part ceux qui viennent des régions intérieures, à part ceux qui sont issus de l'ancienne aristocratie foncière et de l'élite traditionnelle, etc., des centres-villes, donc de vieilles urbanisations. Tous ces gens-là, qui, quel que soit leur niveau culturel, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur position professionnelle, quel que soit le patrimoine qu'ils ont, quel que soit leur lieu de naissance aussi, leur lieu de naissance et leur lieu de résidence, en fait, ils portent un stigmate. C'est-à-dire qu'ils sont de l'intérieur du pays. Ils font l'objet d'un mépris de classe. Il y a un mépris qui est plus qu'un mépris de classe, c'est un mépris qui est social, régional et quasiment identitaire. Je veux dire, vous l'avez dans beaucoup de choses, vous l'avez à diplôme égal, vous savez que quelqu'un avec tel nom de famille de l'intérieur du pays, etc., il a beaucoup moins de chances que quelqu'un qui vient d'un autre endroit, que quelqu'un qui vient par exemple de la côte est, etc., ou qui est d'une grande famille tunisoise, etc., ou sfaxienne. Et ça, c'est un grand tabou parce que le régime de Bourguiba et de Ben Ali a toujours caché cette réalité des divisions. Justement parce que ça nuit à l'union nationale, c'est quelque chose qui met en péril en fait l'unité des citoyens, c'est quelque chose qui est potentiellement, disons, dangereux, etc. Mais en fait, c'est une réalité. Et quand vous discutez beaucoup avec justement un peu partout dans le pays, avec les entrepreneurs, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est fondamental. Et le problème vient de là. C'est-à-dire que vous avez donc une lutte sourde qui est là, entre des entrepreneurs qui commencent à devenir riches qui sont des régions intérieures et qui commencent à accumuler de l'argent. Une partie de ces gens-là sont obligés de le faire en dehors du système formel parce qu'on ne leur donne pas, on ne leur a jamais donné la possibilité d'accéder. Même après la révolution. Et après la révolution, il y a eu une accélération. Beaucoup se sont enrichis. Et en fait, ils se retrouvent avec beaucoup d'argent et finalement, il y a une partie d'entre eux, et je ne dis pas tous, mais une partie d'entre eux, qui voudraient intégrer l'économie formelle, qui voudraient avoir accès au marché national, mais qui sont bloqués. Et de l'autre côté, vous avez cette élite, donc ce qu'on a appelé l'élite établie, c'est-à-dire ces gens qui sont rentrés au début des années 70, avec Nouira, etc., dans le business, et qui forment un peu des oligopoles, qui protègent leur position, et qui sont capables, même s'ils sont divisés entre eux, de se solidariser à travers leurs intérêts croisés pour empêcher ces nouveaux venus d'entrer. Et donc finalement, il y a une lutte entre ces deux élites. Et un ordre ancien et un ordre nouveau. Voilà, c'est ça. Et en fait, le problème vient de là. C'est-à-dire que cette lutte-là, c'est elle, à notre sens, qui est au fondement de la plupart des tensions sociales et politiques qui est en Tunisie. Et elle est plus importante que même la polarisation artificielle qu'il y avait à un moment entre islamistes et anti-islamistes. Sachant que cette élite de l'intérieur du pays, une partie, notamment celle du Sud, se reconnaît davantage dans le parti islamiste et dans l'ex-troïka, mais pas parce qu'ils partagent leurs objectifs politiques, parce qu'en fait, ils se ressemblent en termes sociologiques. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, les militants et les dirigeants de Nahda sont majoritairement originaires de l'intérieur du pays et du Sud. Et le CPR, c'est le Sud, c'est assez flagrant. Et donc, vous avez ça, et donc finalement, à travers la polarisation qu'il y avait eu en 2013, c'était pas tant la question de islam, pas islamisme, islamiste, anti-islamiste, etc. Il y avait effectivement une dimension internationale avec l'Égypte, une dimension régionale de polarisation idéologique, effectivement. Mais à notre sens, elle était beaucoup plus un prétexte à quelque chose d'autre, qui était cette espèce de peur atavique de l'élite établie de finalement être remplacée. Un peu ce qu'on voit, ce qu'on peut voir, voilà, ce qu'on raconte un peu une Khaldoun, etc. Vous voyez, donc ils arrivent, des nomades arrivent et remplacent les citadins. Vous voyez, c'est un peu cette idée, cette peur de l'urbis, quoi, c'est-à-dire de la pénétration finalement de la campagne en fait, dans la ville, le fait qu'ils soient remplacés. Mais quel est le problème? Pourquoi cette peur d'être remplacé? Parce qu'en fait, cette élite établie bénéficie de protection.
protection réglementaire, c'est-à-dire que toutes les lois qui sont faites dans le domaine économique les encouragent, les aident à préserver leurs oligopoles, que ce soit les investissements, les facilités fiscales, et que ce soit finalement tous ces décrets, toutes ces lois très complexes, bureaucratiques. Les effacements d'ardoise. Oui, mais c'est aussi par exemple le fait qu'il y a des chasses gardées dans plein de secteurs. Il y a plus de 50% de l'économie qui est régulée, qui est fortement régulée par l'État. Et donc en dehors des monopoles d'État, il y a beaucoup d'oligopoles privés. Et donc les personnes ne peuvent pas rentrer dans le système facilement, ou alors il faut tellement de papiers que ça devient impossible. Et puis en plus, ces gens-là se serrent les coudes pour empêcher les autres de venir les concurrencer. Donc vous voyez, donc il y a tout ça alimente le sous-développement du secteur privé. Vous voyez ? Et alors qu'il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont des idées, mais qui ne peuvent pas pénétrer là-dedans s'ils n'appartiennent pas au CERAL. Et finalement, c'est ça cette idée. Et donc finalement, les luttes politiques, quels enjeux elles ont, les luttes politiques, finalement ? Les luttes politiques, c'est de prendre les articulations. Elles consistent à prendre les articulations de l'administration qui permettent d'accéder au marché national et au crédit. Et donc, vous avez une espèce de polarisation artificielle où en fait les partis, tout ça ne s'affronte pas finalement sur des programmes. C'est pas des programmes politiques, plus d'impôts, moins d'impôts, plus d'État, moins d'État, plus d'islam, moins d'islam. C'est pas ça. C'est qu'en fait, vous vous rendez compte que l'objectif, c'est de pénétrer ces rouages, ce que certains appelaient l'État profond à un moment donné, pour pouvoir finalement favoriser les affaires des gens qui sont proches du parti, ou des électeurs, ou des gens de telle région, etc. Et donc ça, dans un sens, ça nuit, ça empêche une compétition politique saine. Et quand vous reliez ça avec l'histoire du consensus, c'est-à-dire cette idée de dire consensus, qu'est-ce que vous avez, le métadiscours derrière l'idée de consensus, même si c'est pas dit, c'est quelque chose qui n'a jamais été dit, mais le non-dit, c'est quoi ? C'est de dire, vu que l'État, c'est avoir le pouvoir dans l'État, c'est avoir le pouvoir dans les articulations d'administration qui permettent de contrôler l'accès au marché et au crédit, et donc de changer la physionomie de la classe d'affaires, d'accord ? Donc c'est une lutte qui est dangereuse. Et comme c'est une lutte dangereuse, si on fait une vraie compétition politique, finalement, en mettant toutes nos forces, on va s'entretuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On partage. Et c'est ça qu'il y a derrière. Mais le problème, c'est que justement, plus... Ça se neutralise, en fait. Voilà, c'est de dire, il faut atténuer cette compétition, en fait, pour pouvoir finalement, entre nous, partager, on va partager ces postes-là, et on va aller très doucement, sans trop bouleverser les équilibres socio-régionaux et les réseaux clientélistes existants. C'est ça, en fait, qu'il y a derrière. Mais finalement, les partis, en faisant ça, et vous vous rendez compte que le pacte implicite, derrière, pour des partis, c'est de dire ne pas bousculer trop, finalement, les vrais équilibres qui sont là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, il ne faut pas déstabiliser l'élite établie. Parce que si vous montrez à l'élite établie qu'il y a des émergents qui vont venir et qui vont prendre leur business à leur place en disant « vous êtes comme des rentiers, nous on veut qu'ils vont les concurrencer, etc. », surtout dans l'accès au marché national, c'est pas dans tous les secteurs. Hein. Il y a des secteurs qui sont où l'élite établie a des années-lumière d'avance. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans des secteurs offshore ou de technologie, etc. Mais moi, je parle des secteurs beaucoup plus, voilà, des secteurs qui sont régulés à l'intérieur, qui sont protégés, à peu près de 50% de l'économie. Et donc, le problème vient de là. C'est-à-dire que si vous concevez maintenant une véritable transition démocratique, c'est-à-dire que ça a un sens, que ça ne soit pas simplement cosmétique. Oui, cosmétique, c'est-à-dire que c'est pas plus de... Bon, c'est déjà bien, plus de respect des libertés publiques, hein, ça c'est clair, c'est fondamental, plus de respect de l'état de droit, la possibilité de contre-pouvoir, une vigueur du tissu associatif aussi, enfin, vous voyez, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez véritablement que l'esprit démocratique ou la démocratie en fait ait un sens et se traduise de manière réelle et de manière concrète. Préalable. En fait, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il faut régler cette question. C'est-à-dire qu'il faut régler cette question. Et ça nécessite beaucoup de réformes. Parce que sinon, si cette question n'est pas réglée, en fait, il y aura juste une façade. Mais en fait, tout se fera à l'intérieur. Et les gens voudront s'accaparer ces articulations d'administration, etc. Et ça nécessite beaucoup de réformes, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça nécessite aussi que les acteurs eux-mêmes se mettent d'accord pour ouvrir ce système. Alors, pour ce faire, le rapport préconise une initiative pour le moins audacieuse,
qui consiste en un dialogue national authentique, qui pragmatique, qui inclurait les hommes d'affaires issus de l'économie de l'informel. Que pensez-vous de la faisabilité d'une telle mesure? Comment vous le voyez, ça? Donc, est-ce que ces gens-là vont être en quelque sorte normalisés? Ils vont se présenter en tant que tels? Comment vous voyez la faisabilité de tout ça? Ben, si vous voulez, on essaie de parler de l'intérêt de cette idée-là, de ce dialogue, en termes toujours de prévention de conflits meurtriers, parce que c'est notre mission. Mais la forme prise exactement dans cette initiative, on ne la connaît pas. C'est-à-dire que c'est les partis politiques, c'est l'État, c'est la Tunisie quoi, qui va le faire. Il n'y a pas de truc clé en main, si vous voulez. Mais l'esprit de ça, l'esprit de ce dialogue, en fait, c'est finalement que les élites économiques, toutes quelles qu'elles soient, d'où elles viennent, émergentes, établies, etc., se rencontrent, sachant que les mécanismes de représentation actuels des hommes d'affaires, etc., ne sont pas assez inclusifs. Vous avez l'UTICA, vous avez des choses comme ça, mais il y a plein de gens qui ne sont pas représentés, notamment des régions intérieures, et encore plus ceux qui sont dans l'informel et dans la contrebande. Et vous vous rendez compte que tous ces gens-là sont de plus en plus importants, en fait, en politique, au niveau institutionnel, ont de plus en plus d'importance dans les coulisses. Donc l'idée, finalement, c'est que ces gens se concurrencent les uns les autres, ce qui est normal parce que c'est la compétition économique, mais, disons, l'emploi, des fois, des procédés un peu douteux pour le faire, les uns bloquent les uns bloquent les autres, etc. Vous avez ces frustrations de l'élite, de cette classe émergente aussi, qui sent que les autres sont là et qui ne les laissent pas pénétrer, et vous avez l'élite, cette classe émergente, entre eux aussi, ils se concurrencent, etc. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une classe d'affaires, si vous voulez, qui serait réconciliée et qui, pour elle, la question de la démocratie est importante puisqu'elle permet l'alternance et en même temps la question de l'ouverture du marché et de l'égalité des chances est quelque chose qui va de soi. Vous voyez ? Donc, comme vous n'avez pas ça, l'idée, c'est qu'ils puissent se mettre en contact avec les politiques, etc., et qu'ils puissent véritablement discuter des véritables problèmes qu'il y a. Par exemple, des gens des régions, qui sont des gens très influents, qui ont beaucoup d'argent, etc., qui ont une influence au niveau local, qui peuvent calmer les contestations comme les alimenter, qui puissent discuter. D'autant plus qu'il va y avoir une certaine forme de déconcentration, etc., décentralisation, ou plutôt des déconcentrations, et ça pose la question de l'émergence des élites locales. Donc il y a des élites locales économiques qui vont arriver, et dans l'enquête qu'on a faite, on voit beaucoup qu'il y a beaucoup de gens qui sont jusqu'à présent à contrebande, etc., mais qui ont fini finalement leur accumulation primitive, entre guillemets, et qui veulent se ranger, qui pensent à l'avenir de leurs enfants, qui ont accumulé beaucoup d'argent, et puis ces gens-là, il y en a beaucoup qui commencent à avoir envie d'investir dans des activités productrices et dans leur région. Et pas simplement acheter, faire de la spéculation immobilière ou garder leur argent sous l'oreiller ou acheter à l'étranger, etc. Donc la solution vient du local. Et la solution elle vient de là, mais seulement ces gens-là pour qu'ils puissent investir au niveau local, il n'y a personne qui vient les aider. Au contraire, ils sont vus comme concurrençants les autres de l'élite établie. Donc l'idée, c'est qu'ils se mettent d'accord. Que l'élite établie dise, voilà, nous on est d'accord pour laisser les réformes qui permettent une économie beaucoup plus ouverte, d'accord ? Et donc on a ça, et en même temps, les autres qui disent, ok, nous on est d'accord, on est prêt à investir, etc., dans nos régions, mais en échange, ne demandez pas d'où vient l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça un peu, c'est ça l'idée. Si vous voulez, c'est, en fait, l'objectif de ça, c'est quoi ? C'est de faire un contrat social et régional, un véritable contrat social et régional, parce que le problème, c'est que ça renvoie carrément à la formation de l'État moderne, la manière dont il s'est fait. Ouais. Et c'est fondamental. Et il n'y a pas eu encore ce véritable contrat social et régional où on a vraiment crevé l'abcès et où on a parlé de toutes ces choses. Ce n'est pas simplement des questions d'inégalité régionale de développement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le rapport entre l'État,
et la société, le rapport entre la périphérie du pays et le centre, etc. Et c'est quelque chose de fondamental, en fait. Et c'est ça l'idée. Mmh. Et donc, voilà, il faut voir quelle forme ça va prendre. Et c'est après, à l'issue de la mise en contact de ces personnes, à travers les politiques, à travers l'État, etc., ou des représentants de ces personnes-là, etc., qu'on peut imaginer le fait de parler d'une réconciliation. Ouais. C'est-à-dire, la réconciliation, c'est une fin, c'est pas un moyen. Ouais. Et ça, c'est important, parce que c'est une réconciliation, finalement, qui concerne effectivement les hommes d'affaires, ou entre guillemets la bourgeoisie, si vous voulez, comme on pourrait dire. Mais à mon avis, elle est fondamentale, parce que si ça continue comme ça, la dynamique qui est mise en place fait qu'il y a des risques que cette classe émergente, parce qu'elle n'arrive pas à accéder au marché, et un surplus d'argent beaucoup trop élevé, et finalement se mette à faire n'importe quoi avec, et y compris à je dirais pas se radicaliser, mais disons aider à ce qu'il y ait des mouvements beaucoup plus durs, hein, qui aspirent à se débarrasser carrément de cette élite économique établie. Et puis l'élite économique établie, de son côté, qui, sentant que les équilibres économiques changent, veuille garder ses privilèges et bloquer la transition démocratique pour rester en place. Et ça, si vous voulez, c'est le gros problème. Donc si vous arrivez en amont à prévenir ça, sachant que c'est une tendance lourde, vous réduisez les chances de conflits meurtriers. Parfait. Merci.